bonjour à tous, ici Fou Fitano et Maximum. Et on se retrouve aujourd'hui sur un petit jeu. Donc The Mighty Quest for Epic Loot, je pense que pas mal de gens connaissent. Moi, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu de gestion de château et d'attaque de château. Donc nous allons faire une petite partie pour rigoler. Donc ce n'est absolument pas un jeu pour montrer le jeu, hein, parce que je vais pas faire tout un tuto pour voilà. Un tuto du coup. Voilà, il existe plein de tutoriels sur internet. Et du coup, comme Maximum ne connaît pas encore ce jeu, je vais le faire découvrir. Et oui, donc nous sommes deux sur un micro parce qu'il est chez moi, hein, du coup, tout. Et donc, il va marquer, voilà quoi. Et c'est en train de charger. Voilà, c'est une vidéo absolument faite à l'arrache. Maintenant, à toi de parler, j'ai monopolisé la parole pendant 5 minutes, à toi. Bah, je sais pas trop quoi dire. Donc, je ne vais rien dire. Faut pas chanter, c'est le chargement. C'est comme ça, c'est chargement, donc on va dire la parcours. 3, 4, ah non. Ah bah voilà. Ça commence, voilà. Ubisoft, donc c'est Ubisoft qui l'a fait. Donc le jeu est gratuit. Non. Good evening and welcome. Good evening and welcome. Lend me your ears to prepare for the journey. You are about to ah, ça se trouve vous l'entendez en double. It is crucial that we start at the beginning, in the very annals of history, a days of yore, chivalry, yada yada yada. What do you say we just skip to the good part? There was once a kingdom of such formidable wealth and high property values that its stalwart inhabitants overdeveloped it right into a real estate crisis. Using the power of magic or something, they propelled their castles into the skies. Thus was born the kingdom of Opulencia. Not bad. Life in the new kingdom continued apace in the spirit of its founding. No castle was safe from the covetous gaze of its neighbor. Dudes were seriously up in each other's business. It was not long before the savvier Opulencians began to populate their homestead with all manners of minions and traps, seeking to guard their loot piles from more intrepid home invaders, like a bunch of cats guarding the warm spot at the edge of the bed. The promise of adventure and ill-gotten gains was a siren song to adventurers the world over. Using unspecified means, probably magic again or whatever, they set off in droves for the fabled kingdom in the clouds. In Opulencia, though, there was one game changer that separated the mighty from the mightiest. The successful from the super. Cornelius Richling. Let's see what he has to say. Deuxième message. Oh, hello there. Welcome to Cornelius Richling's real estate okay, c'est emporium. Bon. Donc on arrive dans le jeu, on va passer tout ça. Ça ne sert absolument rien. Oh, trop bien. Don't worry, chum. Now, ah bon. Take a look at these fine specimens. Why not take a tour? Ah, il est pas le chat. Allez, hop, yes. Chacha, chacha. Yeah. Donc entre ici, Maximum et Fofo Piano. On y va. Go. Y a pas de respect. Alors, je ne peux plus, pas plus. Maxi Fofo. Maxi Fofo. Allez là. Okay. C'est Maximum et Fofo Piano, hein, bien sûr. Traduction. Excellent choice. Excellent choix. Merci, merci. Bienvenue dans votre château, dans un secret, vous êtes payé pour l'immortalité, d'accord. Walk around, take it in. Ouais, parce que là, il n'y a pas l'or. Hein. Oui, là, c'est juste... Mais il a mis la chance, tout ça. Donc, on s'en fout de ce que tu dis, mec. Je déteste les phases de tuto dans les jeux. Surtout quand on sait déjà ce qu'il faut faire. Ouais, il faut cliquer là-haut. Je suis en dehors. Merde. Oui. Mine d'or. Il nous a une mine d'or, donc voilà, ça c'est le but du jeu. Je sur la mine d'or. Il faut que je place la mine quelque part. Hein. Comment on bouge? On bouge avec comment on bouge? Stressant. Je sais plus comment on bouge, ça m'énerve. Attendez, il faut ouvrir. Ah, non, c'est plutôt. Voilà, c'est bon. Donc il faut mettre la mine un peu là on veut. Voilà, là. Ah, ça se construit directement? Ouais. Ok, c'est pas comme dans les jeux. Non, c'est pas un jeu de trucs comme ça. Hein. C'est vraiment un jeu. Okay, genre, tu places, mettre, tu places. Tu vas mettre des monstres en fait, des trucs comme ça. Ok. Donc, je suppose que vous avez déjà vu ce jeu plusieurs fois, mais il y a assez longtemps parce que. C'est prêt à collecter donc là. Le monde a un peu abandonné le jeu. Good work. The money train. C'est Ubisoft et. On fait qu'Ubisoft fait des jeux. First, barricades, or as Bébéra.
nouvel objectif, machin, d'accord. Oh là 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 là, passe une barricade, c'est trop bien. Ok. Attends, je sais pas où je suis parti là. Poulet. Ouais, barricade. Donc là, il y a des nouveaux trucs qui ont été ajoutés. Là, je pense qu'il y a des mises à jour. Petite barricade. Non, mais il faut pas utiliser ça. Hein. De toute façon, on en a zéro, donc. Ouh là là. Navigateur intégré au jeu. Ah d'accord, c'est Steam qui nous a ouvert ça, mais on s'en fout. Oui d'accord. Il faut une barricade, mais attends, mais je vois pas de barricade. Alors, déplacer la barricade. Attends, 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 attends. Qu'est-ce qu'il faut faire? What? Ah attends, déplacer la barricade jusqu'à un endroit propice et cliquer pour placer. Donc attends, vas-y enlève ça là déjà. Je sais pas, ouais. Tu veux pas? Non, je sais pas. Barricade. Ah, il faut n'importe quelle barricade en fait. Ça, ça c'est juste l'onglet barricade. Donc c'est vrai, c'est genre. Clé au champ d'endroit propice. Vas-y, continue là, faut que tu fasses plus. Là, il faut que j'en mette 36, c'est ça. On va mettre une grande barricade au milieu. Bon, ça sera pas notre château de fin, donc on peut faire n'importe quoi. Hein. On fait n'importe quoi, il n'y a pas de respect. Allez, on met des étagères. Pas réaliste quoi, on met des étagères pour barricade. Comment on fait pour tourner? On s'en fout, on en met. Pour tourner cette chose. Il en faut 36, donc on va y aller. Hein. Okay, okay. Si tu veux. Starting to look. Now, you. Et c'est bon, on a assez normalement. Ah voilà, donc là, le jeu très important, bah, très important dans le jeu, c'est-à-dire mettre là, des monstres. Des monstres. Archer le pion intermédiaire. Donc là. Degré de défense. 8 sur 20, dis donc. Ça va travailler ce contrôle. Oh. Attends, genre les poulets. C'est un truc, lui. Qu'est-ce qu'on va faire? Faut combien de trucs? Le message scale. Et on va mettre eux, là. Oui, il y a plein de nouveaux trucs. Good work, après, on va passer notre nom. Est-ce que c'est fin de passer la zone de Gaunt? D'accord, mais on s'en fout. Le boulot, la mienne, ok. Bon, bien sûr, imprenable, ça, moi, je le passe tranquille. Okay. Bon, voilà, ok. Mais c'est vrai que le mec, il peut pas trop passer. Ouais, mais ça, je connais tout ça, mec. Laisse-moi jouer tranquillement. Non, mais les phases de tutoriel, j'essaie de mettre à couper et à faire une ellipse, quoi, pour mettre les phases de tutoriel. Parce que ça, en plus, améliorer la simulation de tout. Ok, ça on connaît tout ça. Ça dit on fait une petite ellipse. Ouais. Et on se retrouve quand on pourra enfin faire notre vrai château. Parce que là, lui, ça serait même pas notre vrai château. On se retrouve tout de suite. Bon. Tout le monde. On est de retour. Et donc en fait, là faut choisir une classe, ouais, la classe de notre personnage. Le mage, chevalier, l'archer ou fugitive. Celle-là, ouais, celle-là on peut pas encore. Alors, c'est un héros pour une, c'est vrai qu'il faut payer pour l'avoir. L'archer, le chevalier ou le mage. Toi, t'es plus quoi, toi? Moi, je vais tester le mage, donc j'aimerais tester le chevalier. Et le chevalier, c'est normal, on va dire. Et l'archer, il est comment? Et l'archer, il est. Bah, ouais, l'archer, il est pas mal, mais. Tiens, en fait, c'est tout est équilibré, donc. Ok, bah, si tu veux, on prend le chevalier, y'a aucun problème. Ok, bah, chevalier, de toute façon, on pourra faire tous les personnages. Sauf le. Ah, mon choix. Je dis ça pour chaque mec. Donc voilà. Mais là, il est tenu le mec. Ouais. Donc là, on va dépouiller. Une épée en bois, quoi. C'est. Non, là, là-haut. Ah oui, non, il faut acheter un truc un peu mieux quand même. Parce que. Ouais. Que les coins de bois.
C'est déjà mieux. Et nous allons attaquer. Attaquer. Attaque. Donc voilà, donc là, mon but, donc, dans les niveaux supérieurs, c'est d'attaquer les châteaux des autres. Donc tu construis ton château et n'importe qui peut t'attaquer. Donc là, on attaque un château. Et il y a certains châteaux qui sont créés par les. Vas-y, attaque tout le monde. Attaque. Putain, ils t'ont rien fait, quoi. Okay, attends, t'as oublié de l'or là. Ouais. C'est important. Donc bien sûr, on là je vais bien. Après je vais essayer maximum jouer. Et... attaque. J'arrive pas. Il y a une deuxième attaque mais je sais pas dans le fait. Là c'est déjà fini. C'est que d'habitude les châteaux sont beaucoup plus longs. Hein. C'est des vrais donjons en fait. Hein. Et vous avez vu que c'est un peu comme les jeux genre les Diablo ou des trucs comme ça. C'est vraiment, It's just so. Mon premier piège. Ok, donc là, parfait. Ok, parfait, mais on s'en fout. Et vous pouvez bien sûr nous attaquer nous si vous trouvez notre château, hein. Aucun problème. C'est bonne chance. Équipé, machin, tout ça. Enfin, ouais. Si je vais équiper la chose. Ligne de combat. Fait dragon. Pour l'instant on n'a pas tout ça. Hein. Faut équiper notre nouvelle aptitude, ça là. Great. Oh, don't worry. Ah, c'est ça la deuxième attaque. Voilà, c'est ça. Voilà, voilà. Now that voilà, you're good for something after all. Hein. Ici, ce sera notre château. Voilà, donc là, on pourra mettre des pièces, on pourra faire un énorme truc. Et donc là, nous voici dans notre château. Bon, en fait, c'est le même, mais et on va réorganiser tout ça parce que c'est vraiment nul. Donc, c'est pas mieux que ça, ça peut complètement les défoncer. Non, pas complètement. Bon, ça, on va laisser ça. Mais c'est absolument mal organisé. Donc. Donc là, c'est pour déplacer les choses, c'est ça. Je vais mettre ça là. Donc moi, j'avais un château assez fort avant. Alt plus clic gauche pour déplacer les zones d'agro. Mais. What? Alt. Voilà, d'accord, après, il s'appuie. D'accord. Et alors, qu'est-ce que tu veux faire? Un, fais dans zoom et te déplacer pour reculer dans notre château. Ah, on peut reculer. L'entrée de château. Ouais, mais c'est En fait c'était très simple, il fallait faire Alt, cliquer une fois sur la souris, donc le clic gauche, et après ouais. Ça le déplace, bref. C'est la voiture qui démarre. Donc là t'as acheté ça, donc, du coup, plus ou moins cher, hein, et tu peux avoir un peu de... Pour l'instant c'est le même prix. Donc, ouais, celle-là ils disent qu'il faut l'acheter je crois. Hein. Ok, si tu veux. Et tourne là, pour la tourner, vas-y, place là. Non, il faut cliquer là-dessus. Merde. Alors attends, j'imagine, Alt. Voilà. On a compris. Non, c'est bon, elle a du bon sens. Ouais, c'est du bon sens. Voilà, bon, on va mettre comme ça. Alors tu reprends si c'est exprimé. Et tu peux donc la placer entre les deux. Voilà. Parfait. Ah, je suis né pour ce jeu, vous savez, voir. C'était de l'ironie pure. Magnifique. Wonderful. Voilà, this place is taken. Ce qui leur plaît, un piège. Ouais, faudrait peut-être zoomer un peu. Donc là, tu peux... Bah, mine commence. Dans la première salle, plutôt. Ouais. Ah oui, après, il va falloir relier les choses par de, du courant. Voilà. Boum.
directement un générateur pour activer vos pièges flambants. Ok, donc ça c'est le magasin, on aura besoin. Générateur. Et normalement tu mets à coup, enfin, dans la zone en haut, il faut faire un. Et tu peux pas le baiser, c'est trop aussi. Parfait. Now that you have that trap, I récompense. Château presque trop fort. C'était nul. Fais du blading. Attaque. Donc voilà. Ah, on va retrouver notre donc mec là, en cassif. On va laisser Maxime. Bon, alors c'est une attaque. Castle dessus, super dur. Okay. Oh, mais c'est nul, c'est Black Sam. Ah oui, c'est faire ça. Voilà. On y va. On y va. En deux. Voilà. Deux. Donc, on va laisser Maxime attaquer le château. Le château. Donc ça, on se déplace seulement avec la souris, c'est ça? La souris et t'attaques aussi avec la souris. Ouais, mais comment on fait pour faire la deuxième attaque? Ah oui, c'est ça. Ouais, ok. Anyway. Allez, c'est parti, Maxime. Ah, je tape. Ok. Ça sert à rien.